Mon nom est Eric Franzen et je suis le directeur du Palace. Et on vous accueille ici dans le foyer à Metz. Le foyer à Metz, c'est une salle art déco qui a été refaite à l'identique de ce qu'elle était à la création du Palace. Donc le Pathé Palace en 1913, c'est Charles Pathé qui demande à Paul Ames de lui construire un bâtiment cinéma, mais plus qu'un cinéma parce qu'à l'époque il y avait peu de films, le cinéma était balbutiant et donc on pouvait accueillir ici des spectacles, des circassiens, des musiciens et le bâtiment était organisé autour d'une grande salle, 2500 places et des espaces de récréation avec des bars, des salons et notamment ce foyer ici, le foyer à Metz, qui a été, comme je viens de le dire, refait à l'identique. Il a été refait quand dans les années 2000, la Fédération Wallonie-Bruxelles a racheté ce bâtiment qui a été, durant tout le XXe siècle, un cinéma. Sauf pendant une petite période, dans les années 70, ça a été un grand magasin, Booknecht, qui vendait de l'électroménager. Et puis après, c'est redevenu un lieu culturel. Et en début des années 2000, la Fédération de Bruxelles le rachète et lance un appel pour des projets de cinéma, pour redevenir un lieu cinématographique. Et donc, c'est un projet porté par Luc Dardenne qui va remporter le concours. Et l'idée était de refaire un lieu avec quatre salles de cinéma avec un équipement de pointe, tout ce qui se fait de mieux pour pouvoir voir les films dans les meilleures conditions, des espaces d'événements donc comme celui-ci, et puis on en a d'autres pour pouvoir accueillir des expositions, pour pouvoir faire des réceptions, et puis un restaurant donc qui permet de pouvoir boire un verre, manger un morceau avant ou après une séance. Et donc l'idée est vraiment de permettre au public de vivre un moment agréable dans un lieu où on peut socialiser, où on peut être accueilli dans les meilleures conditions et voir des bons films.